Nous avons étudié la question, stopper le musée des confluences coûtera cher, puisque personne n'a eu le courage de voir la réalité en face et personne n'a eu le courage, il y a plusieurs mois, de dire stop à ce musée. Mais une chose est sûre, c'est que ça coûtera toujours moins cher, beaucoup moins cher, que de le créer. Ça devrait permettre, d'après nos calculs, une économie d'environ 200 millions d'euros en investissement. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 20 millions par an en fonctionnement. De quoi, à notre avis, donner une marge de manœuvre au Conseil Général pour revenir à l'essentiel. Et pour le Conseil Général, l'essentiel, ça veut dire se recentrer sur sa mission principale, c'est-à-dire la solidarité. La solidarité au sens social, la solidarité au sens de l'aménagement des territoires. Le Conseil Général ne doit pas être seulement gestionnaire, il doit proposer un accompagnement dynamique, inventif pour que chacun, les aidants, les aidés, trouvent leur place dans la société. Voilà la priorité du Conseil Général.